La taille, c'est une étape décisive parce que ça va permettre à la vigne d'avoir des nouveaux rameaux qui vont produire les fruits de l'année prochaine. Donc la taille, c'est primordial. On taille assez court d'ailleurs pour avoir une bonne qualité de raisin et une charge qui reste acceptable. Mes grands-parents étaient vignerons, malheureusement je ne les ai pas connus en activité, mais comme les 40 vignerons de la plaine de Peyre de l'après-guerre, hein, après la viticulture, comme un peu partout en Corse, s'est effondrée. Hein, et là on a un petit renouveau depuis 4-5 ans sur la commune, on en est très content. Alors ces gestes, je les ai appris notamment avec Jules Chili, qui est vigneron au domaine Petradimé à la plaine de Peyre, avec qui on a une grande amitié, et je vinifie d'ailleurs chez lui, il m'héberge pour 3 ans, je le remercie. Donc c'est beaucoup avec Jules aussi que j'ai réussi à réapprendre ce patrimoine qu'on avait familialement un petit peu perdu. Alors mon oncle, mon père évidemment, qui se souviennent, mais les techniques ont évolué, les systèmes de conduite des vignes ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans, et voilà, il a fallu malgré tout tout réapprendre. Ici, sur la plaine, on est 4-5 vraiment à avoir une amitié assez forte et à s'aider pour les vendanges, pour les traitements. Si un jour quelqu'un a un tracteur en panne, on peut se dépanner, voilà. Et ça, c'est quand même bien de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter. Voilà, la malolactique est terminée et donc j'ai 2 cuves de rouge, celle-ci et celle-ci, que j'assemble dans une seule cuve d'un peu plus de 30 hectos qui sera mis en bouteille que dans un an. Je peux ouvrir un peu plus. Parce qu'il faut pas que c'est jamais tout ferme, hein, vous même. Ah. Il y a une belle couleur quand même. Même les arômes, il y a des bons arômes. Ouais. L'entraide matérielle, c'est important, mais l'entraide d'avoir des collègues qui on peut appeler quand on a besoin d'un coup de main, besoin d'une réflexion, on ne sait pas trop quoi faire, et c'est primordial. Être seul, ça serait terrible. Par contre, tu vas te salir, hein? Tu n'as pas de salopette? Non, pas grave. Ah non, ouais, c'est la vraie. Recule-moi un tout petit peu la pompe. Voilà, attends, je fais un tour comme ça. Bon, maintenant, tu n'as pas besoin de rentrer. Si tu restes de là, tu vas aller voir Lily, hein, au fond. Hein. Oui, non, de là, je le crois. Tu me dis. Allez. Ah oui, un peu de pression à chaque étape, parce que surtout quand c'est nouveau et qu'on découvre un peu au jour le jour, bon, il y a Jules qui m'aide beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu l'inconnu quand même. Hein. Ah, c'est bon. Tu lèves, quand tu veux plus prendre, tu lèves. Là. Première bouteille, cette année, première bouteille de rosé, et l'année prochaine, première bouteille de rouge, parce qu'on le garde 18 mois pour qu'il soit quand même plus rond, pour le premier verdict. Ben moi déjà je trouve que pour un 100% chacaril, il a une très belle couleur, ouais, très belle robe. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Après aux arômes, c'est un vin qui est jeune puisque c'est la vendange 2018. Mais tu as les arômes caractéristiques du chacaril, fruits rouges. Ouais. Je suis pas mécontent. J'espère que sur la longueur on a des épices. Caractéristique d'un 100% chacaril. Tu vas avoir un premier vin qui sera très beau. J'espère. Et j'espère qu'il plaira aussi aux consommateurs.
Première impression, quand même une certaine satisfaction après 4 ans, voire 5 de travail. Après, voilà, j'espère aussi que mes pairs apprécieront ce qui est fait sur le domaine. Et puis encore beaucoup de travail et certainement encore de l'amélioration à venir. Hein. Alors on est sur la nouvelle parcelle, projet de plantation, plantation de chacaril, de vermentine et un petit peu de nez rouge. J'ai la chance d'avoir cette grande parcelle avec mon associé sur la commune de Carbouch. Et donc le développement du domaine se fera plutôt ici, je pense, à l'avenir. Il reste à construire une cave, il reste à faire connaître le vin, à ce qu'il soit apprécié, à ce qu'il soit connu et reconnu, je l'espère. À être reconnu aussi et apprécié de mes confrères vignerons, et puis planter et surtout travailler. Énormément de travail pour arriver à une bouteille, on ne se rend pas compte, on a vu la taille, il y a un nombre incalculable d'étapes avant la mise en bouteille, et voilà, et beaucoup de travail. C'est vrai que c'est un peu se lancer dans le grand bain, mais c'est une aventure tellement extraordinaire que voilà, c'est un peu toute ma vie aujourd'hui, hein, l'apiculture et la viticulture. Voilà, c'est matin, midi et soir. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas un instant. Je referais la même chose, l'apiculture, la viticulture. Voilà, planter des vignes, avoir la passion de sa terre, de ces endroits magnifiques au milieu des montagnes. Voilà, un cépage qui nous ressemble sur l'appellation d'Ajaccio, en chacaril, en vermentine. Voilà, c'est une passion qui m'habite vraiment. Thank you.